ça c'est incroyable. Parce que t'as vraiment une alchimie totale avec la musique et l'environnement. C'est-à-dire que là, tout ce qui se passe autour, même s'il y a un peu de vent, tout ça, ok, pas de soucis, mais derrière, tu te projettes vraiment dans la nuit. Rajouter des basses, machin. Déjà moi de moi-même, jamais je vais rajouter des basses. Parce que pour moi l'audiophile, justement, on va en revenir à là, il ne modifie rien. Il laisse ses enceintes telles quelles, son matériel tel quel, pour le laisser sonner comme il se doit. Après je suis d'accord par rapport à la pièce. Mais là il n'y a pas de pièce. Là, petits oignons. Et mon poteau, je vais dire aux petits oignons. Tout est réglé parfaitement. Oh. Le son est excellent, même à cette distance là, le son est excellent. C'est incroyable. Parce que là-bas j'ai un sweet spot qui est assez dirigé, qui est assez directif. Mais là quand tu te mets là, déjà t'as plus de basse, tout ça, parce que t'as plus de recul, tu vois. C'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Je vous dis les gars, dans la hi-fi, quand t'as pas de pièce, t'as pas de limite de pièce, en fait à l'écoute, c'est bien. Bien, y a rien à ajouter. Ça, c'est tout droit. On va faire un petit changement. Cette précision chirurgicale. Bon les gars, on reprend où on en était parce que j'ai eu un problème avec mon téléphone. Allez, c'est parti. Venez.
que la parole est d'argent. Ah les amis, je vous dis que c'est incroyable, incroyable. Vivre une expérience comme ça, personne ne peut savoir. Faut le vivre pour le croire, pour l'entendre, pour le découvrir, pour le... Ça c'est énorme. Attends le passage là. Écoute-moi ce petit son. Regarde, je vais me mettre au loin. Dis-toi, t'as 2,20 cm là. Y a pas besoin de caisson. Y'a rien de toi. Du lourd. Il y a que des 20 cm. Regarde-moi ça. Ils sont pas en train de faire la fine bouche, hein. Je vais te le dire. Hein. Ah oui.
Allez, viens Mario, on s'en va. On s'en va. Je suis long, hein. Très long. La Gagne. T'as vu où est-ce que j'ai mis mon sweet spot? Regarde, il est là. Incroyable quand même. Oh. Dis-toi là, à cette distance là, il te faut un ampli 5 fois plus puissant pour donner la même dynamique. Je sais pas si tu te rends compte de. C'est pour ça qu'on utilise des amplis de sono pour alimenter les systèmes. Sonorisation. Oh, c'est énorme. Attends, on va voir ce qu'il y a après. Bouge pas. T'entends les grillons, les voitures. On va se faire plaisir, les gars. On va se faire plaisir. Ah, les pionnières, je peux dire qu'elles sont bandantes. Hein. Ah oui. Ah oui, elles sont bandantes. Ah oui, oui, oui. On va pas se la faire en mode mijauré. Je te le dis, mon ami. On va arrêter les conneries tout de suite. Regarde-moi ça. Écoute-moi ça. Bordel de...
genre. Mais écoute la. Écoute l'envergure de la basse. La profondeur. Ça envoie. On va reculer un peu. Pas fort en fait. Au niveau du volume, je suis
tu raisonnables. Et tu regardes derrière moi, il y a un peu de marge. Ça va, ça reste correct. D'assist correct. Mais par contre, au niveau des enceintes, là, j'ai beaucoup de distance pour les écouter. Ce qui fait que là, vu que je les ai pincés, forcément, le son est très directif. Mais si tu veux un son plus omnisonnel, il faudrait les écarter. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas faire ça. On l'écoute, c'est calme. Nico, il fait le con, ça y est. Ah, je vois les gars. Même délire que moi dans la IT, dans le délire vraiment audiophile de ouf.